Structure, ça, c'est une structure qui est ouverte depuis deux semaines, plus de deux semaines environ. Et pour des détails que nous étions supposés finaliser, donc finalement, on a avancé. Donc nous avons commencé depuis matin 1, okay, nous recevons le premier patient. Non? Okay, nous avons recevé d'un coup deux patients. Donc structure là, elle est fin prête et opérationnelle. Donc c'est une structure de plus de 150 lits environ. Nous avons deux bâtiments. Ok, que nous relais bloc et bâtiment A et bâtiment B. Dans le bâtiment A, nous gagnons une capacité de 50 lits environ. Et bâtiment A, ça, nous gagnons pour y recevoir patients qui viennent okay, avec test positif directement. Et bâtiment B, c'est des patients qui spécifiquement pour passer au niveau de triage. Ok, et puis après triage. Et si vous répondez à la définition, ça nous est le cas suspect. À ce moment-là, on va mettre pour une meilleure prise en charge de que cas nécessité. Donc, structure, ça est gagné près de 200 déjà employés qui travaillent là-dedans. Et maintenant que nous opérationnels, c'est sûr que nous n'avons pas ajusté au fur et à mesure. Mais la majorité de staff là, nous avons 188. Et spécifiquement personnel qui l'a. Donc nous gagnons beaucoup plus comme son structure sanitaire, une structure de prise en charge. Personnel là, il gagne beaucoup plus de médecins, d'auxiliaires et d'infirmières. Donc nous gagnons à peu près une trentaine de médecins, nous gagnons une cinquantaine environ d'infirmières que nous catégorisons en infirmières seniors et en infirmières de ligne. Donc, infirmières seniors, c'est des infirmières qui là, qui pour coiffer infirmières beaucoup plus expérimentées, pour coiffer infirmières de ligne, et pour médecins, nous avons des médecins seniors et des médecins juniors. Médecins juniors, c'est beaucoup plus des médecins qui expérimentés là-dedans déjà. Permettez-moi de dire que nous avons un interniste qui est avec nous. Ressources humaines MSPP a travaillé pour nous rendre et l'autre compétence, l'autre spécialité. Disponible, nous gagnons un pédiatre et nous gagnons un médecin qui fait médecine familiale. Et puis nous gagnons auxiliaire infirmière, okay, nous gagnons plus d'une quarantaine et nous gagnons l'autre catégorie, nous gagnons staff administratif. Nous, donc c'est une équipe assez jeune et assez dynamique et surtout jeune. Et ça qui est plus âgé, c'est justement ça qui que nous recrutons pour coiffer plus jeunes et nous féliciter et courage et enthousiasme. Jeunes professionnels de santé SARIO et l'autre catégorie qui rejoint nous pour mener la bataille ça, et vis-à-vis de la pandémie ça, que nous avons le COVID-19. Là. Donc, en gros, parce que c'est mon chita, structure sanitaire là, mais ma précision.